Partie, petite insomnie, on va reprendre la fin de cette partie avec Catherine de Médicis de l'Empire français en mode divinité. On est à l'âge industriel, on a fait déjà une première partie, mais le jeu commençait à être déjà pas mal avancé, donc ça a pris pas mal de temps de faire le début de l'âge industriel. On a attaqué Aliénor d'Aquitaine, Empire anglais. On l'a pas tout à fait fini, mais on a quand même pris Londres au début de l'âge industriel. Là, il doit rester encore la ville de Leeds à prendre. Ensuite, on va évaluer un petit peu ce qu'on va faire sur cette fin d'âge industriel. Peut-être préparer un âge d'or sur ces 10 tours qui restent, normalement. Ok. Alors. Donc l'anglais, voilà, il reste Leeds, on a encore nos espions. Petit bâtisseur, hein, on profite tout de suite. On voit. Ok, Leeds, il nous faudra l'artillerie. Hein. Les artilleries sont pas arrivées à temps pour Londres, mais je pense qu'on en aura besoin pour Leeds plus rapidement parce que le Ranger va pas suffire à prendre trop de... Il a déjà attaqué ce tour-ci en plus. Commence à descendre des artilleries. Ouais. Et apparemment. Ok. 12, 16 sur 23. Bon, on est bien en habitation. Du bâtiment où on profite encore de. La République a dû récupérer Merveille qui donne une doctrine militaire. C'est on l'a construit. Je ne sais plus. Doctrine militaire en plus, moi. Grand chose. On a beaucoup de pillages à faire. Need upgrade. Et on aimerait se déplacer assez rapidement pour aller sur Leeds et bouger notamment les artilleries. On sera peut-être content de développer en plus de points de mouvement. Pardon. Donc on revient sur Toulouse. Vraiment de bons campus à faire. Toulouse. Ça. On va se faire du bâtiment alors. Quartier résidentiel n'est pas super intéressant non plus. On va faire de la population évidemment. Activité, on est à zéro. On est à zéro pile. Hein. Peut-être que tôt ou tard on sera content d'avoir un texte de loisirs qui pourrait toucher les villes à côté. Non, on voit qu'on a des problèmes d'activité déjà à Grenoble donc. Texte de loisirs par ici et qui toucherait les villes ici serait pas mal. Deux tours en plus, c'est assez rapide. Quartier ici non plus. C'est pareil hein, en activité. Hein. Un petit peu limite rapidement. On peut faire aussi un complexe de loisirs hein, par ici. Toucher les nouvelles villes dont Reims. Je crois que c'est 6-4. 4-5-6. Au moins pour les dernières améliorations. Ok, allez, on va un petit peu. Gustave, il permet encore de bouger quand même quelques unités. Alors là, ça commence à bouger. C'est en régiment. Bienvenue.
J'étais sur un switch mécanique. Alors. Ah, c'est vrai qu'on peut faire les armées. On va compacter un petit peu hein, les unités. Plus ça fait du score d'air. Bon, il nous reste 10 tours. Hein. On devrait être large normalement pour le l'âge d'or, pour faire 8 points. Ça devrait aller vite. Compacter un petit peu les unités, le faire pour ça. Il serait bien aussi quand même de reprod des unités pour que celles qui sont déjà pex. Le blinder c'est très amélioré. Ok, allez, descend. Amener le général ici. Tri, elle va venir sur l'île aussi. Un petit shoot sur les remparts. Déjà bougé, donc fortifié. Thierry. Cette cavalerie, elle va peut-être aller s'occuper du camp barbare un peu si elle peut. À s'approcher pour voir à quoi ça ressemble un peu la situation. On peut peut-être faire le tour de la merveille là, du Delicate Arch. Ici avec une charge de bâtisseur. Pas grand chose. Descendre aider sur Bordeaux. Notre Syrie. On dit qu'on allait aider la proie. Je me rappelle parce qu'on a bougé le Liang. La Liang. Grenoble. Aide. Bâtisseur. Donc lui de bouffe. C'est une bonne commerciale. Mal. C'est qu'il n'est pas là. Déjà il doit y avoir une route de transport de Montpellier vers Toulouse. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même beaucoup de routes le même. Je préfère aller aider les villes franchement conquises. Sheffield et Londres. Tendez la tiens. La paix, Canadien. Je sens qu'on attaque le Khmer. Il faudrait que je surveille le... et la diplomatie, la religieuse de mon allié norvégien. La chimie, c'est la partie. Ok. Donc Nantes, il se passe rien. Hein. Il se passe rien. Je vais surveiller. Je pense qu'on va l'enlever de Nantes. C'est prendre les promotes dès le début de tour un peu. Espionnage, ça me plaît bien ça. Si je repère une activité suspecte. Ça fait ce gouverneur Témir. Fès. C'est intéressant de faire du contre-espionnage à Fès. Ok. J'ai dit qu'on est les promotes. On va... On est de l'or, allez. Ok. Allez. Pouvoir booster la science hein, avec les labos de recherche.
qu'on révèle les ressources stratégiques, l'aluminium et l'uranium. Au final, l'uranium est quasiment le plus rapide à révéler. Comme ça s'accumule très lentement en général, parce qu'il y a très peu de sources d'uranium, je pense qu'on va le débloquer maintenant, en 3 tours. C'est des 3 armées ou armadas. J'en ai déjà une, que je viens de faire un tour précédent sur la cavalerie. On pourrait peut-être faire si rapidement 2 autres. Le prix d'apprendre, je disais. J'aimerais faire tomber l'INS quand même rapidement. Tirer ce tour-ci. Tirer ce tour-ci. Avec une seule charge. Ici, on va vérifier que rien n'a cramé. Ici en réparation. Ok. Bon, on commence les labos. On va manquer d'électricité. Et des centrales à charbon avant. Déjà d'électricité. Commencer peut-être par les centrales à charbon. Hein. Ça, on est derrière. Alors ici, on commence à manquer d'activité. Parce que c'est qu'ailleurs, on va voir certainement le barrage ici. Le loisir. Pour que ça touche pas mal de villes. Mettre ici. Hein. Chez Marseille, Nantes, Montpellier. Ce serait pas mal. Et on enchaînera avec le labo. Ouais, les activités, oui, ça pose des soucis. On va vérifier avec l'allié si on peut trade. Même plus beaucoup. Il y a du chocolat avec, hein. Il a quand même été très sympa. Heureusement qu'on était alliés, hein. Sinon il nous aurait déclaré la guerre lorsqu'il y a eu une demande d'aide internationale. Bon, qu'est-ce que je veux faire sur place? Je commence à avoir de la production, j'ai fait ma zone industrielle. J'ai bien une petite place de commerce. Et j'ai quand même déjà aménagé le terrain. Un peu dommage de gâcher. Et ici, je peux faire des merveilles sur case de désert. C'est juste pour du score d'air. Hein. On a été repéré. À pied. Alors allons voir ces barbares. Du piquet-tir. Du piquet-tir. Ça avec les cavaleries. Céleste, est-ce qu'on tente le contre-espionnage à Fès avec Céleste, sachant que ça doit être Jérôme qui a dû avoir promote de contre-espionnage. Si
s'il est sur son terrain et qu'il fait du contre-espionnage, c'est violent. Et là, ça changera pas grand-chose. Donc je pense qu'on va envoyer Céleste à Fès pour voir ce qui s'y passe. Est-ce qu'on slame dans les murs? Ça passe sans souci. Gustave ne va rien faire. Cavalerie. Cavalerie peut slam aussi. Hein. Ex. Ok, on va aider cette ville. Qui n'a pas forcément besoin de bouffe, mais un peu de prod, un peu de gueule, ça fait pas de mal. Pardon, il donne pas mal de gold. Hein. De verre carbone, je pense. Un des régiments. C'est Céleste qui va aller à Fès. Un terme de science. Plus qu'une charge. Je pense qu'on va l'envoyer à Nantes au cas où le Kilimanjaro repète. D'ailleurs, ce qui s'est passé ici, c'est un repété. Les mines sont parties. Bâtisseur. Vous voyez. On va peut-être s'approcher un peu du Khmer. Je sais pas combien d'alliances il nous reste avec le Norvégien. Le Norvégien. Alliance, il nous reste 11 tours. Donc ça va, ils peuvent se retourner contre nous tout de suite. J'ai envie de faire des fermes pour cette ville. Se reposer le camion de campagne. De toute façon, on a largement assez de force. On va le laisser taper dans la cavalerie. Peut-être stacker les actions. Hein. Une arène, un amphithéâtre, de recherche. L'activité, on commence à être mal ici. On a fait quand même un aqueduc. Industriel. Ici, je pense qu'elle aurait plus un.
peut quand même sacrifier le castel. Ce qu'il y a, c'est que je préfère cette case-là parce qu'au moins, il se fera pas détruire par le dôme. Allez, trade cette case. Ça en aura un de prod en plus sur la zone industrielle. Et elle sera pas mise en danger. Un souci d'activité hein. Et commencer à regarder dans les dogmes pour améliorer ça parce que je vais pas faire des complexes de loisirs partout. Ça quand même. Déjà son niveau. Ah. Allez, l'anglais c'est fini. Il n'y a pas passé l'ère industrielle, on fait nos 6 points. Et pour l'âge d'or, donc plus qu'un point en 8 tours, on est vraiment tranquille. C'est fini pour l'anglais. On va changer de front au cas où. Alors on est où? En culture, on a réussi à rattraper un peu notre allié, ce qui fait qu'on pourra un peu dîner la culturelle. En science, on a beaucoup d'avance, donc une scientifique est toujours possible. Et où? Deux. Sérieusement? On va faire un actu, tu dois. Si, si. Si ça me plaît pas, si ça me plaît plus. Sûrement. Ici, il y a salpêtre. C'est sur une colline. Est-ce qu'on va faire nos bâtiments ici? Ici. Ok, c'est fini à Leeds. Et les déclarations. Côté Marseille. Faites de beaucoup. Je sais pas quelle est l'influence là. Bernard, il va à la proximité. Avec la manie, j'imagine. Une unité sur la cavalerie. On va commencer à ici. Des prédations, enfin. Ok. J'aimerais bien encore le Pex. Lui, mais on peut aussi le mettre en contre-espionnage. Sauf que j'ai aucune idée d'où le mettre en contre-espionnage, donc on va aller au Pex malgré tout. On n'a plus personne chez le Khmer, donc. La partie Marseille. Rapide. Je suis parti par là, mais en fait, c'est peut-être par là. Si tout. J'ai été un peu bête sur ce coup-là. Cavalerie, elle va faire demi-tour. Un dé aussi.
Le ranger. C'est où le ranger? C'est le... Cancel. Les artilleries, j'ai envie d'en avoir 12 000. Hop. Petit régiment. Est-ce que ça suffira à attaquer? Ça va être un peu léger quand même. Des unités de l'air atomique seraient pas mal. Parce que là, quand même, il y a des murs à 86, 80. Ce sera pas si facilement que ça. On a une Gabriel, pareil, on va l'envoyer pour perdre son dernier tour. L'espion, j'en ai encore perdu un. Bon, j'ai les 4. Ok. Une petite ville gratuite donnée par l'anglais. Parce qu'on a peut-être de l'adjacence. On va lui acheter son monument. Lui, il va vite être obsolète. Hein. Et si on faisait une bombarde, on upgrade. J'ai pas la carte des upgrades. Ça pourrait nous faire notre deuxième armée. Il nous en manquerait plus qu'une. On pourrait faire une armée de canons de campagne, mais ça serait un peu gâcher toute l'XP accumulée. Pourquoi pas? On aurait nos trois armées et ça nous ferait gagner pas mal de recherches scientifiques là-dessus. 7h15, c'est la radio, c'est pour le... Je vais faire le Reka ou pas. Parce que je suis sur... communisme. Théologie et puis voir après. On va pas attendre spécialement. Est-ce qu'on chope ça? Une colline en dessous. Si c'est pour Grenoble. Non, c'est Toulouse. Changer, on va la prendre. Toulouse. Et on va choper le port. On gagne 6 tours quand même, c'est négligeable. Case endommage. Il y a juste tout ce qui est autour du dôme là qui a pété. Montpellier, je pense. Lui, il va rester ici.
Donc je check les religions vraiment souvent. Je me suis fait déjà avoir plusieurs fois par les victoires religieuses avec des religions qui étaient vraiment très très basses, et juste parce que je venais de battre un ennemi qui perdait sa religion, qui était plus conteste, en deux tours c'était terminé, il y avait une victoire religieuse de mon allié que je pouvais pas conteste. Donc il faudra probablement que je renouvelle pas l'alliance avec le Norvégien, quitte à l'attaquer. Là j'ai encore une dizaine de tours pour aller embêter le Khmer rapidement. On a notre âge d'or là-dessus. Ah, Napoléon, c'est pas mal. Ouais, une armée directe. J'aurais pas envie de l'utiliser avec Napoléon. Cette armée, je pense que Napoléon, je vais le garder tel quel. Alors, j'ai pas eu ma carte à pas grand chose, c'est dommage. J'aurais pu faire mon armée tout de suite ici d'artillerie. Bon, je vais quand même faire mon armée de canon de campagne. Moins de choses à bouger. Et donc, prochain tour, normalement, je fais mon armée d'artillerie. Et j'aurai l'Eureka pour l'uranium. Est-ce que j'ai envie de faire un aqueduc et un centre de prod ici? Oui. Parce que je ne ferai pas spécialement de campus. Merveille ici. Les détails. Quand même faire le phare vite fait pour la route co. J'ai plus la vétérance, hein, ça prend du temps de faire. Ouh là là. C'est pas ça là, la prod ici. Là. Faut dire qu'il n'y a pas de zone industrielle. C'est vraiment pas terrible. Merveille ici. Là. Tiens, fais un négociant, c'est peut-être le meilleur chat possible. Lui aussi. Désolé, je me mouchais. Alors. On a dit qu'on voulait des unités de l'ère suivante. Ce qu'il y a, c'est quand même que le blindé moderne, c'est pas l'ère atomique, c'est l'ère de l'information, ça fait un peu trop long. Mais par contre, on voudrait quand même être la mitrailleuse et les forces spéciales. Il faudrait prod d'ailleurs deux forces spéciales, histoire d'aller avec notre ranger spécialisé en embuscade. Deux unités, oui. On verra s'il y a des villes qui se profilent avec une bonne production. On va s'avancer vers la côte, on va se diriger vers le Khmer, donc au final. Bien voulu prendre des unités, mais on vient juste de prendre ces îles, ça va être compliqué. Le champ qui va me rééclater tout ce que j'ai mis en mine. Se retrancher, on va le laisser slam dans mes cavaleries. Ah. Ça a tout cassé, l'inondation. Cool. Ok. On va le transférer
mal. Céleste, créer un scandale à Fès. Aïe, on peut pas, pas faire du contre-espionnage ici. Qu'est-ce qui s'est passé à Fès pour qu'il m'ait viré en amène. C'est les meilleurs compétiteurs, perdre 6 émissaires. Donc là, 9, Jayavarman. Ce serait pas mal, hein. On va faire ça. On va dégager Jayavarman de fesses. On va se faire une toute petite régène avant de traverser la mer. C'est notre armée. On va lui faire la mer. Ça fait pas mal de gold. Hein. Ça m'embête de pas avoir prod des unités pour faire des armées. Bon, je redécouvre le pétrole, c'est un peu ridicule. Qu'est-ce que j'ai pour ici? Plus qu'un seul bâtisseur. Seul terrain plat à Grenoble. On va aller faire ici le parc urbain de Liang. J'ai dit qu'il fallait que je surveille les religions. Ah, il a rééclaté. C'est infernal. Je pense que... Rien sur cette terre n'est éternel. En difficulté, si en niveau de catastrophe 4, si je sais même pas si il faut upgrade les cases qu'il y a autour des volcans, tellement ça pète souvent. Alors, on va changer de doctrine. Donc, on veut retomber sur le... Alors c'est plus l'armée de métier, c'est la modernisation forcée. Pour prendre nos upgrades, on a dit qu'on voulait prod des unités transformées en armée. On a déjà ce qu'il faut en blindé. C'est... de l'infanterie. Ça serait pas mal. Ça va m'enlever pas mal de gold. Hein. 4 x 7. On enlève 30 gold par tour. J'ai envie de prendre quand même quelques unités. Hein. Je fais... C'est pas de la cavalerie. Je pense que du... Bon, la reconnaissance, c'est pas pris en compte là-dedans, mais j'en voudrais aussi. Donc ici, on fait notre move pour avoir notre dernière armée. Et avoir le Reka sur le corps inter. Ici, on peut prendre l'upgrade pour avoir nos forces spéciales. On va pouvoir découvrir où est l'uranium. J'ai bien envie de préparer une scientifique au cas où. Il y a là. J'ai envie de la renvoyer à Fès. Hein. Mais on peut pas parce qu'on est en guerre. On n'a pas fini notre mission. Donc on va attendre. Je vais peut-être garder en stock la promote Ingala. De toute façon, j'ai pas de projet tout de suite. Je vais augmenter un peu ma science. Mais j'aimerais le garder pour l'initiative spatiale. Qui est Toulouse. J'ai pas besoin de merveille tout de suite, mais pour la prochaine ère, je serais peut-être content d'en avoir. C'est une de mes meilleures villes. Ça peut être rigolo, mausolée d'Halicarnasse et Temple Mayor.
Ça m'enlève une grosse banane. Ouais. Aurait pas une case un peu dégueulasse, genre ici. Pour faire le mausolée. Est-ce qu'on peut pas le faire, le mausolée? C'est quoi les conditions? Adjacent au port. Hein. Sauter ça. J'ai toujours besoin de la bouffe, hein. Je suis à 17 sur 23 en habitation, donc on va le faire sauter maintenant. À la limite, autant faire des bâtiments. Ah. Il est en train de faire le boulot, c'est parfait. J'aurais pas pu piquer ici. Hein. Il me settle un peu le norvégien, bon c'est pas grave. On peut avancer, je pense, c'est pas risqué, il n'y a pas de flotte chez le Khmer. Il faudrait peut-être que Napoléon descende pour bouger ses troupes. Si, donner un bonus de déplacement. Qu'est-ce que j'ai envie de... Avec une seule charge, pas lourd, c'est le charbon. Syrie. Bon, c'est encore flambé, je vais réparer les deux mines que je viens de... sont pas encore détruites, faut que je me dépêche. Il vaut mieux se battre pour quelque chose. Alors, on va espérer qu'on ait une source d'uranium. Et qu'il y a déjà une mine. Oh, ça c'est impeccable. On a toujours à tout ça pour l'accumulation. Toujours à tout ça. Hein. Ça c'est cool. On va avoir vraiment des tonnes d'uranium. On va avoir 5 par tour. Il indique 3, mais normalement ça devrait être 5. Le 1 de base, plus les 2 de la mine, plus les 2 d'Atouza. On va voir, on est à 5, prochain tour on devrait être à 10. J'aimerais avoir la balistique avancée quand même. Premier artiste. Ok. On va réparer ce qui a explosé. Oh, rapidement aussi. Ah, c'est que l'aqueduc qui est pété. J'ai un ancien grelier. Le labo, c'est trop long. En population, faudrait qu'on soit rapidement à 10 ici. J'ai envie d'améliorer. Je pense qu'on va faire un bâtisseur. Ces villes. D'abord réparer l'atelier. Ok, Tristan est détourné de l'or et s'établit très facilement dans une ville. Bon, c'est lui qui va faire la mise sur écoute. Hein. On voudrait beaucoup de nourriture ici. Beaucoup de nourriture et de science. J'achète. Pour avoir une très bonne croissance.
Allez, essayons de traverser avec le blindé régiment. On peut pas aller dans l'eau. Regarde, il y a une falaise. Ça bloquerait autant. 4 points de galère. Pas plus de grade d'unité que ça apprend. Et on a beaucoup de gold pour rien. La carte d'amélioration des unités n'aura pas servi à grand chose. Okay, donc lui on veut le faire Pex. Donc, je pense qu'on va lui neutraliser un petit gouverneur. Espionnage. Saboter. Non, il a vraiment sorti les remparts partout. Bon, ça va, le Norvégien contrôle le naval. On va attendre hors de portée, je pense. Parce que l'attaque, ça sera sur Vimayapura. Qu'est-ce qu'on a ? Deux musées archéologiques, un musée d'art. Paris, on va quand même mettre un archéologue derrière dans la file d'attente. Londres, ça va être la même. Atelier, dans la file d'attente. Ah, il faudra mettre dans la file d'attente un archéologue. On va transférer un pas. Est-ce qu'on va avoir un amphithéâtre? Musée d'art. Ce sera à Toulouse. C'est fini. Envoyer quand même à Toulouse. Déjà à Toulouse. Une unité à bouger. Ah, c'est ici. On va voir ça. Ça donne quoi les unités là sur les... Ça donne rien du tout. Hein. Une artillerie qui arrive aussi. Punaise islam, les murs avec des caravelles, c'est vraiment... L'intégralité de cet ensemble de palais est bâtie autour d'un axe central, interdite. L'axe du monde. Et chaque élément... Calais, qui était une petite ville vraiment coincée sur un bout de plage entourée de montagnes, et on a pu faire des trucs sympas à Calais. Bon, il y a le Kilimanjaro qui aide, mais... C'est... On est en train d'exploser l'âge d'or, je m'en doutais un petit peu. Mais ça passe encore. Stack un petit peu des actions à faire. Au dégoût avant
60. Sur 12. Voilà, ici on a des problèmes. Campus plus 2, mais c'est sûr. Ah là, non. On va le faire, sûr. Théologie, et après on peut faire théologue à Londres. Sur 9. On se fait un aiguille qui est ici. Et ah, il y a un barrage. Ah, ça fait casser un blé. Ce qui nous fait pas mal de croissance ici. Que. Si on pouvait finaliser ce triangle-là, ça serait pas mal. Et si je fais l'aqueduc ici, il faudra que je fasse la zone industrielle là. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Et il y a le nord. À côté des merveilles. Et ici, on voudrait peut-être faire une place du théâtre. Si l'aqueduc ici, la zone industrielle sur la côte. On garde les cases de croissance au sud. Tant pis pour l'adjacence avec le barrage. Bon. Finalement, pas tant d'upgrades que ça. On n'a pas lancé de prod du tout. Ce qui fait que... Attention. On va vraiment pas avoir d'upgrade. Qu'est-ce qu'on a? Moderniser. Il faudrait quand même que je fasse quelque chose en production militaire. Je ne fais que du civil. Grande armée, ça s'arrête à l'industrie, ce qui m'embête un peu. Et ça s'applique pas aux unités de reconnaissance, mais on va le faire quand même. L'économique, j'aimerais bien refaire quelques bâtisseurs. Diplomatique, je pense qu'il n'y a rien de spécial. Manque d'activité et d'habitation. Désolé, il fallait que je me mouche. Là-dessus. On a une caserne, on a une armurerie, c'est ici qu'on va faire nos unités. J'ai dit qu'on va rapprocher, on va se faire un régiment d'infanterie. On va quand même le laisser finir, on le fera, on finira après. Donc on a la carte, on va le faire. Et... On aimerait bien également deux forces spéciales. Ça, c'est pas optimisable. Mais, ce qu'on a la caserne, c'est quand même correct en produit.
Voilà, au moins c'est lancé. J'aimerais bien voir ce que je fais au mur là. Quoi? Ok. Jarnac. Est-ce qu'on débarque tout de suite ou pas? Débarquer tout de suite. Ah. C'est parce que c'est pas dans la vie. Hop. Et on peut bouger Liang. On va la mettre à Liverpool, il y a beaucoup de là. Liverpool, on n'a pas du tout besoin du Victor. Victor, on peut l'envoyer, je crois, à Marseille. Liu Ying, il va attendre. Il va attendre, mais j'ai des chefs-d'œuvre littéraires. Illusion, illusion. Choper la crème ou quoi? J'arrête pas de me moucher. Où est votre rime? Alors. Passe des choses, hein. Petra est l'exemple parfait du temps artistique qu'a l'homme pour transformer une simple caillasse en majestueuse splendeur. Avec la petite musique de Petra et la lumière. Visez la lune. Il a été démontré qu'aucun système. Théologie. Ah! C'est pas mal, économiser des cartes. Ok, bon bah là les golds ça va exploser. Libéralisme aussi pour des activités, ça m'évitera de faire des arènes. Lancer de bâtisseur, on va le faire tout de suite. Voir quand même chercher. J'ai pas de assez du pétrole. On va aller chercher l'hélico quand même. Notre armée. J'espère qu'on prendra cette ville sans trop de soucis. C'est la plus faible. L'artillerie. Est-ce qu'on revient dans le territoire pour l'upgrade avant qu'ils repartent là-bas? Je pense que oui. Le sel.
C'est ainsi qu'un diacre vieil. Occuper la culture, mais pas tout seul. Bon, comment ça, Michel? Ah oui, j'ai raté la padana. Ah, ça serait bien aussi le sport professionnel pour les activités. J'arrêterai de faire mes loisirs. Les gold, c'est toujours moins grande. Ok, celui-là aussi. On reste fortifié. Soit dans le port, je crois, pour être activé. Hop. Gold. Sens, hein, ça fait une case 4-4. Attends. Il y a déjà une armée, ça? Ah non. Voilà. On peut densifier nos forces. Bon. Espion à craft, mais bon, j'ai déjà pas mal en espion. Chose à réparer, on va faire un bâtisseur. Avignon aussi. Est-ce qu'il y a des choses à réparer à vie? Ouais. Je me mouche. Un bâtisseur en stock. A rien fait. Du castel ici. Ok, Tristan, c'est lui qui va faire notre mise sur écoute. Je me remouche à nouveau. Ok. Si. Atelier pour de la prod. C'est une plateforme commerciale. Au final, je ferai pas mon castel ici. Je sais plus trop quoi faire. Hein. Ça me dit. Donc Londres, on doit pouvoir faire l'archéologue. On a réparé le musée archéologique. Ouf. Ça tape hein, quand même. Bon, elle était dans l'eau, mais... les upgrades. Heureusement, elle prend une upgrade, elle, mais... ça fait pas plaisir. Il y a les troupes autour, c'est la ville. On va se mettre sur cette case et prendre l'upgrade. Et avec la cavalerie, on va pouvoir piller. Alors, ça ne prendra pas trop cher. Plus et tirer le régiment quand même. Et le contre-espion, ça me plaît bien le contre-espion. Le quartier maître. Faire ça et le labo de recherche. Les bâtisseurs suffiront.
Puis Dom, j'espère qu'il va se calmer un peu. J'habite juste à côté, j'espère que ça arrivera jamais. Atelier labo. 6 sur 11. Une zone industrielle. Cool, je veux vraiment de la croissance à Liverpool. Peut-être faire un négociant. J'aime pas quand je parle du dé comme ça. Plus 4. Aménagement, il y a 3. Bonus plus 1. Faut le temps, allez. Faut que je me mouche encore. Cinéma. Alors là, j'ai pas du tout de place pour ça. Si j'ai Paris. La bouger et viser ici. Je peux pas bouger, je bouge à l'autre sens. Alors, ah, j'ai pris cette place. C'est pas. J'ai aucune envie de me mettre à portée. Ici, je pourrais aller me mettre là et peut-être piller, mais ça a l'air super dangereux. Il y a quand même du cuirassier, du canon, des remparts. On va venir ici, mais hors de portée des tirs. C'est cool, le Norvégien m'aide à mettre en assiègement la ville. Donc dès que je vais commencer à taper, à faire baisser la ville, ça va pas régénérer. Ici, on le grille de la mitrailleuse. Lui, c'est bien sur des unités modernes, ce qui fait que... Ah, atomique. Bon, c'est même pas la peine qu'il attend. On va plutôt aller booster l'artillerie. J'ai dit que je faisais une plateforme co dans la suite ici, donc le castel, au final... Faut pas le faire, non. Oui. Alors, 17, 9, 22, ça va. Bon, ça va. Allez, dernier tour de l'ère industrielle. Ah. On va rester sur cette combinaison, je pense. En militaire, est-ce que j'ai mieux? Peut-être les pillages. Ah non, je produis toujours des unités à Rouen. Rester là-dessus. Les promotes. Quartier maître, on ramènera peut-être un espion à la maison. J'aurais voulu peut-être partir sur le fascisme, puisqu'au final je fais la guerre directement au Khmer.
explose vraiment dehors, c'est... J'ai dit qu'il fallait prendre les promotes, mais c'est déjà fait. Alors, bon, ça va. Thierry va vraiment tomber les murs. Du coup, qu'est-ce qui dépend de Vimayapura? C'est encore Tom. C'est Vimayapura. Finir le pillage. Régène en pillant sur Vimayapura. Et on pourra même faire un hit si on veut. Baisser un peu la pop. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Les blindés. Les blindés peuvent largement prendre ces hits. Hein. 1, 17, 106, 4. Regardez la force spéciale là sur les murs. Donc, je la pose. Attente. Parce que puis prendre la ville en un tour. Hein, ça... Après, c'est vrai que ce. Je suis venu avec des armées. Ça aide un petit peu. Et là. Ah bah, elle tombe. J'ai high roll hein, là parce que la preview ne montrait pas que ça tombait. Et ce qu'il y a, c'est que je suis juste à côté de la capitale. Ça pourrait aller très vite. Hein. Ça pourrait aller très vite. Allez, on fait les réparations. Monument, grenier, lieu saint. Alors, je pense qu'on va récupérer le Victor ici. Hein. On va l'envoyer à Vimayapura. Tiens, on peut tout de suite faire des activités, ça c'est cool. Joli, hein? Ermite pêcheur dans la vallée du Lotus. C'est stylé. Eureka permet à sa ville de construire plus de quartiers. Ah! Ça m'intéresse à Liverpool. Elle a plus de croissance, mais... Ok, donc j'ai pas de centre de diffusion, je suis un peu bloqué sur les musiciens. Alors, j'ai mon infanterie régiment. Il faut qu'elle parte ici pour s'accoupler avec celle-là, qui est déjà un peu pex. Pour... Oui. Ça arrivera peut-être jamais. Elle va aider au développement de Reims. Ok, on l'apex, lui. Il y a déjà quelqu'un qui en... J'ai pas grand-chose à faire avec lui. En fait, hein. Chose à faire. Je vais le faire dormir. Encore, je me bouge. Désolé, je vais utiliser le switch mécanique, je sais qu'il fait du bruit. Ah, et c'est la fin de l'ère industrielle. Et on va rentrer. On refuse évidemment. Voilà, c'est vraiment trop tard, hein. Fallait qu'ils me donnent de meilleurs accords avant. Et la guerre. C'est rare que j'ai un allié qui soit aussi fidèle pendant autant de temps dans la partie, ça m'a bien aidé.
Et on rentre dans l'ère moderne. Avec un âge d'or. Le plastique est tellement partout de nos jours. On pourra prendre nos upgrades à Vivi. Maya pourra lors de la prochaine session sur la cavalerie, ça sera cool. Et il y aura l'âge d'or. Donc c'était la France, l'ère industrielle, deuxième partie. On a fini l'Angleterre et puis on a commencé à attaquer le Khmer. Mode divinité, catastrophe 4. Sauvegarder et on reprendra, je pense, demain pour l'ère moderne. Des bisous, je vais couper le stream.